Nous avons à la Caisse des dépôts une appréciation plutôt positive en ce qui concerne la création d'entreprises. Nous sommes un grand pays, la France est un grand pays de la création d'entreprises. Elle est vue comme telle à l'étranger, que ce soit la création d'entreprises grâce à l'accompagnement depuis très longtemps des réseaux d'aide à la création d'entreprises, que ce soit la création d'entreprises par les jeunes. Ce qui est notable depuis 5 ans, c'est que les jeunes, massivement, beaucoup plus massivement qu'autrefois, veulent créer leur entreprise, et notamment leur entreprise dans les secteurs qui sont proches, qui ont du sens, qui sont proches de ce que la Caisse des dépôts soutient, notamment, entre autres, qui est l'économie dite sociale et solidaire. Donc ça, c'est des facteurs positifs. Ce qui est positif aussi, c'est que les entreprises issues de la recherche publique et de l'innovation immatérielle de la recherche publique sont là aussi en création plus qu'autrefois, mais peut-être de façon encore insuffisante, et nous cherchons à accompagner ce mouvement. Beaucoup de choses sont faites sur l'amorçage et l'aide à la création. Pas assez, il y a un chaînon manquant sur le pré-amorçage, le tout premier, la seed money. Nous allons nous employer à la Caisse des dépôts à essayer de combler ce tout premier chaînon manquant. Bien évidemment, après, je pense qu'on devrait davantage se pencher sur l'aide à la croissance des entreprises qui sont créées. Comme je le disais sur l'aide à l'émergence d'entreprises innovantes issues de notre recherche, qui est là aussi de très bonne qualité, mais qui n'a pas toujours été orientée vers la création d'entreprises issues de cette recherche, c'est un autre sujet. Et enfin, sur l'implication sur nos PME-TPE de cette vague qu'est la révolution numérique. Donc sur l'aide à la prise en compte du bouleversement de leur modèle économique, de leur métier, en particulier du tissu de PME qui sont dans nos territoires, assez éloignés ou trop éloignés de cette révolution qui va les toucher profondément. Donc un accompagnement, à la fois en termes d'accompagnement humain, mais également incitation financière, une réflexion sur ce sujet serait la bienvenue.